Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Écoutez, une petite journée, c'était ensoleillé, puis là on a un gros nuage qui vient nous enquiquiner, mais on a un beau ciel en même temps, voilà, bleu, parsemé de gros cumulus. Moi perso, ça me plaît, c'est presque plus joli qu'un ciel tout bleu. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va parler aujourd'hui du Ishin Tiro 79, le petit frère du Tiro 99, qui avait quelques défauts et quelques accessoires un petit peu moyens au niveau du déballage et de l'installation. Écoutez, sur celui-ci, c'est pas trop le cas. Voilà, je vais pas tout de suite vous dire ce que je pense de l'engin, on va bien sûr le tester ensemble, mais je vais commencer par déjà vous le présenter, donc le voilà. Oui, comme vous le voyez, j'ai la T8SG aujourd'hui, je n'ai pas emmené ma Nirvana, puisque je n'ai pas reçu mes nouveaux petits FLI 14, donc j'ai mis un ancien XSR. Sur mon petit Tiro 79, donc on sera en FR Sky. Donc voilà pourquoi j'ai la T8SG aujourd'hui. Donc voilà le petit engin, une fois fini par mes soins, avec mes petites modifications, enfin pas grand chose, on va dire mes principes d'installation, j'ai envie de dire. Donc on va pas faire ensemble tout le montage, bien sûr, parce que c'est déjà fait, mais vous inquiétez pas, j'ai pris quelques photos, bien sûr. Pour ceux qui veulent un montage intégral, je vous mettrai dans la description, salut mon Kane, le lien de la vidéo de Kane Hutchinson qui lui a fait le montage étape par étape avec des photos et des petites explications. Donc je vais pas refaire ce qui a déjà été fait, ça a même été fait par plusieurs étrangers également, donc je vais pas refaire le montage complet, c'est un peu ridicule. Par contre, je vais vous parler des quelques trucs à moi entre guillemets qui change un peu de ce qu'on a vu, et vous les imagez avec quelques petites photos incrustées. Donc voilà, pour vous le présenter, voici le Ishin Tiro 79, un petit montage en 140 mm, donc un 3 pouces tout simplement. Alors déjà, on voit que c'est pas les hélices d'origine. Les hélices d'origine, je les aime pas, ce sont des bulles noses. Je peux vous les montrer, même si vous les avez déjà vues. Donc voici les hélices qui sont livrées avec, donc des bulles noses en 3 pouces. Moi, j'aime pas, ça donne de la vibration, c'est un peu lourdingue. Donc voilà, j'ai pas gardé les bulles noses. Donc moi, j'ai préféré installer les petites Gemfan Flash en 30-52. Vous aurez le choix dans les hélices tant que vous prenez du 3 pouces, donc 30-52, j'aurai un peu plus de pas. J'ai d'autres hélices en 30-60, on verra si ça fait pas chauffer les moteurs. En attendant, mettez des 3 pouces de qualité, vous aurez un bien meilleur rendu. Donc sinon, pour parler du montage, écoutez, c'est assez simple. Pour parler du commencement sur le châssis, moi j'ai anticipé en passant des gaines thermo directement sur le châssis avant d'enfiler les fils de mes moteurs et de fixer mes moteurs sur le châssis principal, qui fait 3 mm d'épaisseur. Un carbone de plutôt bonne qualité, on voit qu'il n'y a pas une grosse finition quand même. Ah, là, le soleil coule. Il n'y a pas une grosse finition, les bords sont pas chanfreinés. Après, on parle de cet engin toujours en gardant à l'esprit qu'il vaut 79 € et qu'il y a également toutes les pièces détachées disponibles qui sont pas chères du tout. Pareil, je vous mettrai dans la description bien sûr les liens pour aller voir l'appareil, la fiche produit, je vous mettrai les pièces détachées, et je vous mettrai aussi quelques petits liens sur les accessoires que j'ai utilisés et qu'il me semble indispensable à avoir si vous vous lancez dans le montage du drone pour pas être un peu embêté, du style des gaines thermo, du style par exemple des petites jonctions pour assembler les cartes de vol, les ESC, etc., les intercalaires. Donc ce genre de petites choses, de l'antidérapant, je vous remettrai encore une fois ces petits liens là pour ceux qui ne les ont pas, parce que ça peut toujours servir. Donc voilà, j'ai passé mes gaines thermo sur le châssis avant d'installer les moteurs, bien sûr. Comme vous le voyez, j'ai également mis la XT30. Alors il y a un long fil qui est vendu avec, qui fait 5-6 cm, bien sûr. Mais moi, vous savez que j'aime bien les choses courtes qui ne pendouillent pas. Et comme vous le voyez, moi je trouve que la finition est plutôt propre comme ça. Donc j'ai simplement fixé la XT30 très courte, si vous le sentez de le faire, soudée directement sur la carte, juste en dessous le petit condo. Et on peut même mettre une gaine thermo sur la XT30 en prenant le petit condo en même temps. Ça, je ne l'ai pas fait. Je voulais voir avant si ça passait ici. Donc il y a de grandes chances que je ressorte le châssis pour mettre une gaine thermo pour englober le tout. Ensuite, on va placer simplement son ESC. Alors l'ESC, c'est un 4x 20 ampères en 4 en 1, bien sûr, plutôt correct, hein, rien de particulier à dire là-dessus. Donc préparez bien vos soudures avant d'attaquer et de placer vos fils.
Donc la meilleure solution, c'est, je pense, celle que j'ai choisie ici. Kane avait fait la même chose. On peut couper les fils et les passer directement sur l'extérieur, mais là, ça évite d'avoir des fils à dépasser. C'est quand même beaucoup plus propre. Donc si vous le sentez, n'hésitez pas. Placez tout de suite vos petits interstices intercalaires en silicone. Donc entre les ESC et la carte de vol, placez-les d'abord, comme ça vous pourrez faire le tour avec vos fils, vous êtes sûr de l'emplacement et ça peut vous aider à faire vos arrondis. Donc pour les ESC, rien de spécial à dire, 4 x 20A, 25A en pic, ça veut dire que la carte supporte 80A. Vous le savez, pour le choix de vos batteries, c'est important. Moi j'ai pris aujourd'hui les petites Zob Power 750mAh qui font 70C. Donc pour savoir ce que vous pouvez mettre comme batterie sur ce type d'engin, ben quand vous savez que l'ESC fait 20A, ça veut dire 4 fois 20A, 20A par ESC, vous savez qu'il supporte facilement les 80A en régulation de base, puisqu'il peut atteindre 25A en pic, donc 100A sur la carte. Et bien écoutez, c'est simple, quand vous avez une batterie 4S comme celle-ci, qui fait 750 mAh, donc 750 mA, c'est-à-dire 0,75 A, et qu'elle fait 70C, qui est le taux, bien sûr, vous multipliez les 0,75 par les 70, et vous allez obtenir un truc comme 52, 53 A, à peu près, de tête, je ne sais plus trop. Donc vous allez développer 53 ampères avec celle-ci en 70C. Donc si vous avez une 100C, et ben une 750 mAh, donc 0,75 ampères, multiplié par 100C, vous développerez 75 ampères. Donc vous pouvez également mettre une 100C si elle fait 750 mAh. Voilà comment on calcule à peu près, comment choisir ses batteries en fonction de l'ESC et du montage qu'on a. Bon, j'espère que tout le monde suit. Donc on attaque la carte de vol. Donc, petite carte de vol en F4, donc c'est plutôt correct pour un petit 3 pouces. Bon, maintenant, je pense qu'on va trouver surtout de la F4. Le firmware dessus, c'est le Matek F411 ou F41.1. C'est du 3.5.1, donc bonne mise à jour du 18 septembre 2018, je crois. Donc, j'aurais pu upgrader le firmware, mais je préfère faire un test avec le firmware d'origine, pour voir s'il y a besoin d'upgrader ou pas. Moi, tout fonctionnait avec le firmware d'origine, donc il n'y a pas de raison que ça change. Sur cette petite carte de vol, donc bien sûr l'USB, prenez garde bien sûr à mettre la carte de vol dans le bon sens. Vous avez la flèche qui indique le sens de la carte de vol si vous ne voulez pas avoir besoin de tout modifier dans Betaflight, bien sûr. Ensuite, il faudra s'occuper du récepteur. Donc là, vous allez avoir, Kane en parle très bien, le petit pontage à faire au niveau de la carte de vol, comme je vous montre sur la photo. Vous avez soit SBUS, soit PPM. Alors là, moi j'ai un récepteur qui fonctionne en SBUS, le XM+, il fonctionne en SBUS, donc il faut juste ponter, faire une petite soudure entre les deux petits pads de gauche. Si vous fonctionnez en PPM, il faudra faire un pontage sur les pads de droite, bien sûr. Sur les pads de droite, pardon, pas les pads. Et si vous fonctionnez en IBUS, par exemple avec le FLI 14+, celui que je voulais, bah écoutez, vous n'aurez pas besoin de souder ni le SBUS ni le PPM. Vous laissez ça tranquille. Vous vous connectez sur le petit pad où c'est marqué RX juste au-dessus. Vous connectez votre signal là-dessus, le plus et le moins, vous le prenez normal sur de l'autre côté quand vous allez brancher votre petit câble sur le plus moins du récepteur, et vous branchez votre signal sur le RX qui est là, et vous aurez juste bien sûr ensuite dans Betaflight à activer le bon port, donc ce sera le 2 cette fois-ci, en activant le signal au milieu bien sûr comme c'était fait avant pour l'autre, là ce sera pour un autre RX tout simplement, donc voilà pour le IBUS. Si vous avez des questions, rendez-vous dans les commentaires. Ensuite, sur cette carte de vol, rien de particulier. Une fois que vous avez connecté votre petit récepteur, ensuite, on va pouvoir brancher notre VTX. Donc là, rien. Vous avez des prises exprès pour ça. Donc vous pluguez votre VTX de base, vous le laissez sur le côté. Et on va s'occuper ensuite de la caméra. Donc la caméra, il y a un petit chose à savoir. C'est que les câbles fournis sont pas forcément les bons. Moi, c'était pas forcément les bons. Donc vous verrez que sur la carte, il va falloir se connecter légèrement sur le côté droit, puisque c'est une prise 3 fils et que vous avez un port 4 fiches tout simplement, donc vous allez le caler complètement à droite comme sur la photo, et vous aurez un espace de libre sur le côté de la prise tout simplement. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous voyez, et vous le calez à droite. Et au niveau de la caméra,
La prise est donc une 4 fiches et sur la caméra c'est une 3 fiches. Me dites pas, on aurait pu faire l'inverse, ça ne va pas. C'est pas les mêmes prises. Donc faites simplement comme je vous ai montré. Une fois que vous aurez la petite fiche à brancher dans la caméra, vous prenez une petite paire de ciseaux ou une petite pince coupante très fine et vous coupez l'extrémité où il n'y a pas de fil pour pouvoir vous brancher dans la caméra tout simplement. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à finaliser, c'est-à-dire qu'on va finir de rajouter les intercalaires, on va placer dessus le VTX. Alors comme vous le voyez, moi j'ai mis un petit point de colle, pareil si je pense, je vous mettrai le lien de la colle pour ce genre de prise, pour éviter que ça puisse partir, et j'ai installé mon VTX à l'envers également, puisque les prises gênent dans l'autre sens, si on veut gagner en hauteur tout simplement et pas être embêté. Donc le VTX est fixé à l'envers, l'antenne en dessous. Si on veut changer l'antenne, il faudra ouvrir. De toute façon, il faut ouvrir, donc on n'aura pas le choix. Donc voilà, ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre les châssis. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Placez simplement un côté du châssis avec la caméra. Vous le fixez directement sur votre châssis et ensuite, vous allez mettre la deuxième partie. Donc toutes les vis sont les mêmes, mis à part pour la fixation du support d'antenne ici, qui seront des vis un peu plus longues. Sinon, vraiment rien de compliqué pour le montage de ce petit engin. Les moteurs là-dessus, ce sont des Made in China. Non, je déconne, ça vous le saviez. Ce sont des Ishin. Alors, vous avez des CW et des CCW qui sont indiqués dessus. Bon, rassurez-vous, vous pourrez changer le sens dans BLLi Configurator. Mais sur les CCW, vous avez des écrous noirs. Alors que sur les CW, ceux qui tournent dans le sens horaire et CCW anti-horaire, vous aurez des écrous blancs pour le sens horaire. Donc vous saurez que c'est toujours 1, 2, 3, 4 pour le sens des moteurs et le 1 et le 3 sont toujours en sens horaire pour ce type d'appareil. Donc ce sont, comme je vous disais, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, des 1607 en 2800 kV. Donc on va supporter de 2 à 4S sans problème. Le SC 2 à 4S, donc on va pouvoir voler en 4S. Alors j'ai emmené une petite batterie 3S pour le vol à vue, voir ce que ça donne. On va se faire un petit test à vue en 3S, un petit test à vue en 4S et ensuite on part en FPV. Et j'ai envie de tester, comme vous le voyez, j'ai enlevé les deux vis qui maintiennent ma petite barre de support ici pour pouvoir coller un antidérapant et pouvoir mettre ma Session 5 dessus avec un gros riselant. Et donc si j'ai un petit peu le temps, on testera, voir si on peut choper des belles petites images avec le petit Hiro 79, voir si ça lui force pas trop sur le pif, on testera la température des moteurs. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. La caméra, c'est une 700 TVL, plutôt correcte résolution par rapport au Tiro 99. Il fallait changer la cam. Là, on a quelque chose de correct qui m'a l'air de pas trop mal fonctionner. Je l'ai juste fait décoller devant chez moi, j'ai regardé si ça marchait. Eh bien, écoutez, ça fonctionne bien. Donc, on va voir ce que ça donne en test réel. Sinon, le VTX est en 40 canaux, switchable en 25, 100 et 200 milliwatts. Et par le Smart Audio, donc vous avez également un petit bouton sur le côté du VTX ici. Donc même façon de procéder que les autres, des appuis courts pour changer les fréquences, des appuis plus longs pour changer les bandes et des appuis encore plus longs pour pouvoir switcher sur les puissances. Et par contre dans le Smart Audio, vous saurez que le 25 mW correspond au 25 mW, vous savez quand vous changez avec l'OSD. Pour le 100 mW, il faudra être sur le 200 et pour le 200, il faudra être sur le 500 ou 800 mW. Donc voilà, on a fait le tour. J'ai placé mes petits antennes récepteurs sur le côté ici. Ça fait bien propre, je trouve. Je sais pas comment vous trouvez ça. Et puis, comme j'ai enfilé une grosse gaine thermo noire pour maintenir... Alors bien sûr, j'ai mis un riselant sur l'arrière ici pour guider le câble. J'ai pas coincé le câble. Moi, j'aime pas coincer les câbles avec les riselants. J'ai placé un collier Colson sur l'arrière à remonter comme ça. Et j'ai fixé l'antenne dessus avec la gaine thermo noire. Et pour faire bien, top, tac, deux petites bandelettes de gaine thermo orange que j'ai foutu sur le dessus. Voilà, pour faire un petit peu racing. Allez, c'est parti pour un petit test en vol à vue en premier. Alors, comme je vous disais, j'ai emmené une petite ACE 3S. D'ailleurs, j'ai laissé la rallonge... Hop, j'en ai pas besoin. 850 mAh 75C qui fait à peu près le même poids que mes Zob Power, un peu plus lourd, doit faire 80 grammes. On va voir ce que ça donne avec ce genre de batterie. Je vous ai pas parlé du petit support qui est vendu avec le Tiro 79. Bah écoutez, je l'ai mis. Voilà, ça fait une façon de se poser. Ça sauvegarde un petit peu la batterie. Ça fait pas beaucoup plus de poids.
Donc oui, vous pouvez le retirer pour alléger le tout, mais moi j'ai décidé de le laisser, tout simplement, pour avoir le montage d'origine. Vous voyez, ça fait une belle protection. Sur le dessous, comme les vis dépassent un petit peu, l'antidérapant qui est fourni est prévu pour aller sur cette platine de support ici. Moi j'ai mis de l'antidérapant un peu plus épais, comme vous voyez j'ai mis 3 bandes d'antidérapant autour des vis. Ça suffit largement et ça fait bien propre. Alors c'est parti pour l'install. Hop. Alors je ne l'ai pas testé en 3S, hein. Ça va être une première. Tiro 79, on est bon. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Alors une petite torsade avec le câble. Et on vient se fixer sur l'arrière. Voilà, c'est pas propre ça. Il est prêt, moi aussi. Alors pré-armement. Ici, armement. On est bon, je suis bien en mode stabilisé. C'est parti. Donc les petites gem fan flash, on les connaît, c'est très doux, elles sont pas très bruyantes. Alors pas mal la 3S pour débuter, pourquoi pas. On va tout de suite se faire un petit test de punch en 3S. Je vous rappelle qu'elle fait 850 mAh, donc c'est pas la plus légère des 3S. Donc test dans 3, 2, 1, hey. Pas mal du tout, on n'a pas eu d'oscillation, je suis resté bien droit. On n'a pas bougé sur le yo. Je suis bien. Ah non, je suis pas en vitesse 3. Là, je suis en vitesse 3. Voilà. Eh ben déjà en 3S. Alors on peut y mettre du 2S hein, pour ceux qui veulent débuter en 2S. Pourquoi pas. C'est plutôt pas mal. En tout cas, il m'a l'air bien fluide. Les gens en sont contents, hein, d'après ce que j'ai vu. On va se tester un petit peu d'horizon, voir comment il réagit. Tac. Ah ouais, il m'a l'air pas mal loqué. Suffisamment de puissance, en plus les petites flashs en 30-52 sont plutôt pas mal. Yes! Je repasse en mode normal. Et on va se tester tout de suite une petite 4S. Hey, correct hein? Suffisamment de pêche pour s'initier, moi je pense. Allez, on va se poser. Alors, je vous refais un petit test de punch, vite fait, pour faire la comparaison avec la 4S. Attention, 3, 2, 1. Allez, c'est parti avec du 4S. Tech. Bon, je vais fixer ma balance. Hop. Voilà, si vous n'avez pas les petits supports en plastique, vous pouvez mettre un élastique tout simplement. Mais laissez pas pendouiller la balance, bien sûr. Et là, pareil, comme c'est des fils qui sont assez longs, n'hésitez pas à torsader sur la Zob Power pour venir brancher. Voilà, comme ça, il n'y a rien qui dépasse. Allez, on va tester en 4S. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai mis le buzzer dessus. Je vous mets une petite photo vite fait, vous avez l'emplacement du buzzer, j'ai pas mis de LED. Par contre, Kane Hutchinson vous montre, lui, comment mettre les LED. Moi, j'ai mis un petit buzzer dessus, donc à cet emplacement prévu pour ça. Et il y a suffisamment de place à l'intérieur pour aller fixer le petit buzzer à traîner. Alors, c'est parti. Sinon, vous pouvez activer, bien sûr, les bips qui sont sur les ESC. Ça, vous savez le faire, je pense. Hop, alors... Mon beeper fonctionne. Donc pré-armement, mode stabilisé, armement, c'est parti. Donc en 4S, eh ben ça vole aussi. Il a une belle petite tronche quand même. Hein. Déjà le Tiro 99 avait une belle petite gueule. Il y a du vent, hein, j'ai le vent en face. Allez, petit test de punch tout de suite.
en 4S avec des 750 mh, 70C dans 3, 2, 1. Waouh, c'est mieux. On sent la différence. Je vais partir un peu plus devant parce qu'il y a pas mal. J'ai pas mal de vent en face. Attention, 3, 2, 1. Ça queen, hein. Bien propre en tout cas, hein. Vous avez vu, j'ai mis à fond de throttle, j'ai pas eu une oscillation droite-gauche, il n'y a pas eu de rotation, donc plutôt sympa. Ah, tout de suite, on sent la différence, hein. Et ce sont que des 70C. Et vous savez qu'on peut monter en 100C, donc pas de souci. Ah, plutôt sympa, il répond bien. Hey, hey. Ah, il est propre, il bouge pas, hein. Alors les PIDs, j'ai rien changé, bien sûr, vous trouverez à la fin de ma vidéo mon Betaflight, comme d'habitude. J'ai rien changé aux PIDs, j'ai juste augmenté un petit peu mes rates. Bon bah ça marche, si on partait faire un tour en FPV. Réactif, c'est propre. Je vais tout de suite tester, je vais refaire un petit test de punch et je vais tester la température moteur. Je vais pousser pendant 2-3 secondes. Attention, je prends de l'avance un peu pour le vent. C'est parti. Bienvenue dans les étoiles. Allez, je le ramène. Yeah! Beau bébé! Hop là! Alors, je teste tout de suite. Eh ben écoutez, hein, il fait pas une grosse température, mais les moteurs sont froids. Voilà, à peine tiédos. Je sens même pas sur mes doigts la température monter. Donc il n'y a pas de souci pour ces batteries-là en tout cas. Allez, je prépare le petit business. Bien sûr, je mettrai en route pour le DVR. Je vous en parle bientôt, le FXT DVR ici qui enregistre en 60 fps. On a vu que les images étaient beaucoup plus belles. Je prépare tout ça et on décolle. Bon vol les amis. Alors. Bon, les images sont plutôt claires. Préarmement, alors vous savez que je désactive l'OSD quand je fais préarmement. Je pourrais le remettre après, bien sûr. Armement, je passe en mode accro. Et c'est parti. Ah oui, il faut que je remette l'OSD. Let's go. Alors déjà, pas de vibration. C'est propre. J'ai mis un angle d'à peu près 30 degrés. On va regarder la qualité de la caméra. Regardez un peu les nuages. Vu d'ici, c'est plutôt correct. Alors, j'ai mis léger encore, hein, vous vous souvenez. J'ai juste à l'activer dans Betaflight. On a le RSSI bien sûr. Oh là, je fais n'importe quoi. Tiens, on va aller se promener un peu pour tester le RSSI. Donc vous savez qu'au bout du champ, j'ai à peu près 300 mètres. Je suis encore à 70%, donc tout va bien. Pas de soucis. Quelques petites parasites. Allez, on se fait une petite balade. J'aurais peut-être pu mettre un peu plus d'angle sur ma caméra. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hein. En tout cas, c'est plutôt propre hein, pour un drone à 79€, franchement. Là, je vais rajouter un petit peu d'angle à la cam. Venir me poser par là. Tac. Allez, c'est reparti.
Bon, en tout cas, la caméra, c'est pas du tout comme le Tiro 99. Il n'y aura pas besoin de la changer, celle-là. Elle peut faire l'affaire. On a un bon fauve. Ah, il est super précis, hein. Au niveau du throttle, c'est vachement facile à gérer. Je vous remets l'OSD. Comme ça, vous voyez le throttle en même temps. Vous voyez, je suis très bas en throttle. Là, j'ai fait n'importe quoi. Eh, hey, plutôt sympa, hein. Franchement, pour un petit 3 pouces à 80 balles. Plane bien. Ouais. Ah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Pour le prix, franchement, pour ceux qui veulent se tester au montage et au pilotage, c'est un petit drone à pas cher qui permet de tenter des choses. De faire un petit peu le foufou. Bon, là on va pas faire le foufou parce qu'on veut pas le casser. Allez, on va le ramener et je vais pouvoir essayer. Alors on en est où? 4 minutes 27, c'est plutôt pas mal. 4 minutes 30 pour une 750 mAh en 4S qui n'est pas une batterie haut de gamme, hein. Je vous rappelle, le Zob Power, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc là je suis pas droit, hop. Je vais me poser là où il n'y a pas trop épais d'herbe. Parce que c'est un peu mouillé. Ah, je me rapproche de moi. Et on coupe. Tac! Oula, cascade! Yeah! Plutôt cool! Allez, je mets la 4S, j'installe la petite caméra et on y retourne. C'est parti! Let's go! I remember you. You lift my spirit with you high.
Yep les amis, donc ben voilà en ce qui concerne ma revue sur le petit Tiro 79. Franchement, j'ai pas grand chose à dire à part qu'il est pas mal, franchement, pour le prix 79€. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ben je ne sais pas. Pour ceux qui veulent s'initier un petit peu au montage, au bricolage, si vous êtes rapide et que vous êtes pressé d'aller voler, vous en aurez pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Si vous êtes un petit peu fignolou comme moi, vous en aurez pour une heure ou deux, pour des petits détails à droite à gauche. Mais sinon, en l'occurrence, franchement, rien à dire. Que ce soit pour le montage ou pour le vol, il n'y a rien à changer, à part les hélices, comme je vous l'ai dit, bien sûr. Tiens, pendant que j'y suis, dédicace à mon Yannick. Yannick, j'espère que la vidéo t'aura plu. Dédicace à toi, mon loulou. Et donc, ben voilà, en ce qui concerne ma revue sur le petit Tiro 79, franchement, c'est pas le meilleur des 3 pouces, bien évidemment, mais au niveau rapport qualité-prix, je pense qu'il est sur le podium. Il n'y a pas de souci. Pour avoir un équivalent à 80 balles, ça va être difficile. Donc, bien sûr, vous retrouvez à la fin de ma vidéo tout mon Betaflight avec mes réglages. Et puis, sinon, dans les commentaires, on se retrouve si vous avez des questions. Mais en attendant, moi, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos, et ciao ciao !